Bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur Death Stranding pour un nouvel épisode. Alors, c'est parti. Ça commence bien, regardez. Aïe. Les échoués reviennent, cool. On est dans la mouise. Bon. Alors, on doit. Ils disent d'aller à gauche. À mon avis, il faut qu'on va là-bas. On va faire le menu. Maquette. Intégrer la ville relais du sud au réseau chiral. Récupérer le serveur auprès des mules. Donc en gros faut qu'on va aux mules. Donc moi je dis on va aller là-bas. C'est ce que je disais la fois dernière dans l'ancien épisode. On devait aller au camp des mules pour bah, les défoncer en quelque sorte et récupérer des choses. Donc en gros c'est parti. On va faire ça et on verra comment ça se profile, comment ça se passe tout simplement. Allez, 1 km à pied, ça use, ça use. Non, c'est bon, c'est bon. Tu l'as assez entendu, je crois, dans ta vie. À moins que, hein. Mais bon. Bon. Ben, en tout cas, j'espère que son confinement se passe le mieux possible hein, pour vous. Hein. J'essaie vraiment pas d'en parler, d'en faire des pataquès, d'en faire des vidéos. Mais parce que c'est pas mon but. Mon but est de vous divertir et de vous faire oublier un peu ce confinement. Et je l'oublie en même temps en parlant. Et en faisant des vidéos pour vous, tout simplement. Donc, oh, c'est quoi ça? On découvre des jeux ensemble, on se marre ensemble, on joue ensemble, en quelque sorte. Ça dépend, mais... Donc voilà. C'est quoi ce truc? Herbe à pied. Ouais. C'est quoi ça? Ah oui, j'avais dit de construire un pont, il y a longtemps. Ah mais j'en ai la flemme. Utiliser les marchandises, lancer les armes. Hein. Lancer les marchandises. What, c'est quoi ça? Ah, c'est le lance-bolas. Oh. Le lance-bola. Oh, j'ai eu peur. Wow. Quelqu'un me scanne. Hi-hi. On est dans la mouise, Jean-Eudes. On passe où? C'est profond ou pas? On essaye. Allez, on essaye. Oh, ça passe, c'est bon. Parce que j'ai pas de moto. Enfin, je sais plus où aller. Vous le savez, hein, quand on joue à Death Stranding, on est vraiment plein dans l'histoire. Épisode par épisode, que ça soit 30 minutes, que ça soit une heure. On est vraiment en plein dans l'histoire, je suis pas là pour du craft. Enfin, j'en ai beaucoup fait sur d'autres jeux, donc c'est pour ça que c'est bon, j'en ai marre. Et que je fais vraiment pleinement l'histoire simplement. Parce que si on divague, en quelque sorte, déjà qu'on divague de base, si on divague encore plus, on est encore là dans 6 ans pour finir le jeu. Déjà que ça fait plusieurs mois qu'on y est, et je pense qu'on est encore qu'au début. Je pense qu'on est encore qu'au début, donc. Il va falloir vraiment le finir, mais il y a tellement de jeux à finir. Allez. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Ah ouais. En même temps, pourquoi je suis venu avec un sac pareil, moi? Coucou. Oh, je suis caché dans les feuilles. Tel assassin. Et le mec, il voit pas. Tu sais, il y a un colis qui bouge, mais... Ouais, d'accord. Ciao. Ah, oups. Parce que concrètement, si je peux prendre un véhicule et stocker, c'est encore mieux. Boum! Boum! Tekken, mon gars! Boum! Je vous cogne un par un, moi! Je m'appelle Superman! Oh non! Boum!
Oh, moi je les cogne, moi. Ah, moi je les cogne. Hein. Oh. Hop là. Comme ça, on utilise le lance-bolas. Oh, tous les matériaux qu'il y a. Bien. Eh, c'est une mine au trésor en fait. Hein. Yaha. Toi, t'es foutu, mon pote. Ah, c'est un gros camp en vrai. Hein. Je suis en mode Call of, là. Oh, mais tous les matériaux qui ont. Oh, la caverne d'Ali Baba, les potes. Ouais. Bien, bien. Tu veux m'attraper? Vas-y, attrape-moi. Tu veux m'attraper? Serveur ville relais, c'est quoi ça? De toute façon, il n'y a plus personne en vrai. Ça c'est pas ouvert. Ah, voilà. Oh, tout ce qu'il y a dedans. C'est la... c'est un jackpot énormissime en fait, ce camp. Mais pourquoi ça continue de sonner? Le vie. Ah bah voilà. Yeah. C'était le dernier? À moins qu'ils sont tous assommés. Ah ouais, il y a du monde. Il y en a encore un qui s'est barré. Voilà, c'est moi le patron. Ok. C'est moi le patron. Donc là, ils sont tous morts. Oh, hop. Hop. Ils sont morts ou endormis? À mon avis, ils sont dormis, non? Celui qui montre le chemin. Trophée. Ah non, mais voilà, c'est la caverne d'Ali Baba, les poteaux, là. Hein. Tiens, un sentier. Vas-y. Oh, il y en a qui se réveillent. C'est qui se réveille, là? Ah, donc c'est Sam qui respire. Hein? Ah, moi qui dorme. Oh, je sais pas. Waouh, il emporte, hein. On peut pas le mettre dans le véhicule. Oh ouais. Cool. Ben, poche 200. Non, on va surtout mettre les métaux. Hop, céramique, métaux. J'ai cru que c'était marqué lance-boule, mais non, c'est lance-boula. Exosquelette renforcé, ouais. Normalement, c'est bon. Eh ouais, regardez, dans le camion. Ouais, et ben on va faire le plein. Ouais, d'accord. Moi, je dis, on va faire le plein. Eh, on va se mettre bien, les amis. Il y a des lance-boula. Il y a tout. Il y a des métaux à gogo en plus. Hein. Ah, des matériaux. Ils sont assommés parce que... franchement, je me pose la question depuis 10 minutes là. Wow. Bon, on va déjà... aïe! Ah bah ouais, ça passe pas la porte. C'est pas grave, on va déjà... bah vous savez quoi? Le temps que je charge le camion, à tout de suite. Bon, le camion est en plein, on doit charger un autre camion. Bah oui, tu crois quoi? Hey. On prend tout ce qu'il y a, nous, hein. Utiliser le véhicule. Je conduis un camion, je suis content. Hey, y a pas une autoroute là-bas? Oh. Alors ça, c'est très intéressant. Est-ce que le serveur là pourrait nous permettre d'envoyer
En gros, les ressources et tout, c'est dans le casier privé. Boîte de stockage mule. Oh, c'est ce qu'il y a aussi dedans. Si on leur roule dessus, ça fait quoi? Ah bah ça fait rien. C'était nul. À moins que j'ai mal roulé dessus. Oh, il y a un turbo en plus, bien. On peut sauter? Ouah, c'est un mini saut s'il te plaît. C'est une lowrider le machin. Bon, c'est parti, on va livrer le serveur. Bon, mon casier privé est complètement plein. Faudra que je construise quelque chose. Donc du coup, j'ai fait un partage. J'ai donné un camion complet à des gens, tout simplement. Voilà, c'est ma petite action du jour. Bon. On doit aller là-bas si j'ai bien compris. En tout cas, si j'ai bien compris. On va mettre le turbo. Et puis c'est parti, tout simplement. On va se balader tranquille. Et j'espère qu'il se passera des choses intéressantes. Ça fait 40 minutes que j'enregistre. Ça doit peut-être faire que 10 minutes pour vous. Le temps de voir un camp et le temps de voir quelques échanges et de blabla et de blabla. Alors, on va éviter de se prendre les cailloux. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, j'avais dit de prendre la route aussi. D'essayer. J'ai envie d'essayer. On essaye? Allez. On va essayer ça. Oh, la flotte, je crois pas que ça va provoquer quelque chose, mais bon. Ah, le camion, il a pas beaucoup de batterie, j'avais pas vu, c'est électrique. Aïe. Aïe. Rouler dans l'eau consomme plus de batterie, super. Et je vais me retrouver en rade avec des marchandises. Super. J'avais zappé ce côté-là que tout est électrique. En mode pollution zéro. Ça recharge? Je crois que ça recharge. Je crois. Ça rechargerait là-dessus? Non. Je sais pas, mais c'est bizarre. Oh, il y a des mules en fait. Oh. Ah, on peut même se mettre sur le côté carrément. Trop loin des marchandises, vous avez quitté le réseau d'alimentation. Et c'est là-bas qu'on doit aller, on n'aura pas assez. Allez, on fonce. Avec le peu de batterie qui nous reste. Ouh. Ah, c'est classe. Waouh. Il s'est passé quoi là? Ça serait pas un chargeur ça, non? Alors, on est bientôt arrivé. Si on pourrait charger, ça serait bien. C'est tellement plus simple avec des véhicules. Faut que je récupère ma moto, moi, en plus. Je vais me garer. En honnête citoyen. Ah ouais, bien, regardez. Oh, bien. Et ça recharge à fond les ballons, hein. Wouh. Eh, c'est cool, ça. Eh, moi, je veux un camion, hein. Je vais me promener partout avec un camion. Ça ira beaucoup plus vite. Oh, sérieux, ça ira beaucoup plus vite, là. Ah ouais, hein. Eh, c'est mon camion, ça. Ah, c'est pas bête. J'ai une moto, mais je sais plus où aller. Mais je crois que je vais chercher en dehors de la vidéo. Et je vais être en mode... Oh, c'est tellement plus simple comme ça. Du coup, on doit aller là-bas. Enfin, je pense. Ah, parce que le petit Sam... ça fait 6 mois qu'il court, le malheureux, hein. Oh, il y a un hologramme. Ouais, pas de problème. D'accord.
Wow. Bon, allez, on court. Ah, c'est bien ça, ma batterie elle recharge. Ça, c'est cool. Mais peut-être qu'il faudra que je cherche ma moto, que je la mets dans un truc. On verra ça, on verra ça. Allez, activer le terminal. Faire une livraison. Hein? Toutes les marchandises demandées sont prêtes à être livrées. La commande peut donc être honorée. Ah, j'ai eu peur. J'ai ajouté un 3 roues à la liste de l'équipement que vous pouvez fabriquer. La ville relais du lac a eu l'obligeance de nous donner les plans en remerciement. Je pourrais vous le décrire en détail, mais il me semble que vous en aviez un avant, non? Rien de neuf. 2 roues à l'avant, une à l'arrière, fonctionne sur batterie. Avec système de recharge automatique qui s'active quand l'engin n'est pas utilisé. Le pilotage en terrain accidenté demande du doigté. Idéal sur les grandes étendues plates, bla bla bla. À part ça, on essaie de vous obtenir un autre véhicule. Mais c'est pas gagné. Alors bon. Merci, Sam. Grâce à ces données, on va enfin pouvoir avancer sur notre projet de système de livraison automatisé. Je vais prévenir les gars qu'ils peuvent commencer à tester les bots. Votre destination, le centre de distrib au sud de la ville relais du lac. Consultez le terminal de livraison dès que vous serez prêt. Les preppers avaient pas mal de trucs à dire sur Fragile. Vous êtes sûr qu'on peut lui faire confiance? Cette affaire avec Higgs. Je vous avais déjà dit qu'elle le haïssait. Vous connaissez le dicton, l'ennemi de mon ennemi. Mais je vous laisse vous faire votre propre opinion. Demandez-lui, vous verrez bien. Que ça nous plaise ou non, on a besoin de son aide. Sam, ici Fragile. J'ai appris que 3 preppers avaient rejoint le réseau grâce à vous. Et livré tout ce dont ils avaient besoin. Excellent travail. Puisqu'on en est à se faire la causette, il se passe quoi exactement entre Higgs et vous? Vous avez eu vent des rumeurs, hein? Je vous raconterai moi-même, en personne. Rejoignez-moi au centre de distrib au sud de la ville relais du lac. C'est là-bas que vous vous rendez, n'est-ce pas? Beau travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Sam? De nombreux clients vous demandent personnellement. Mais s'il est nécessaire que vous acceptiez certaines commandes essentielles à l'extension du réseau chiral, pour les autres, vous avez le choix de vous en occuper ou non. Cependant, il va sans dire qu'il va dans l'intérêt de tous que vous fassiez le maximum. Et plus de travail, c'est plus de récompense. Ouais, mais nous on veut faire l'histoire, c'est tout. Alors, oh, les symboles électriques doivent être honorés pour pouvoir avancer. On va devoir en faire une. Ok. Ville relais du lac à ville sud, ouais. Les autres, c'est pas obligé. Même si c'est livraison de pizza. Pour moi, c'est pas obligatoire de livrer une pizza, personnellement. C'est pas marqué Uber Eats sur mon front. Vous allez devoir transporter un prototype de bot. Votre destination, le centre de distrib au sud de la ville relais du lac. Si ces bots de livraison autonome s'avèrent fiables sur le terrain, ils pourraient tout bonnement révolutionner notre réseau de distribution. Les enjeux sont énormes. Alors soyez très prudents. Mm-hmm. J'ai 2 échelles, un spray, Ça fait beaucoup là, non? C'est un peu abusé, hein. J'ai un petit peu beaucoup trop pris de choses, je crois. Ça y est, je suis enfin prêt. C'est parti, utilisez le véhicule.
Je me suis pris que le strict minimum, donc en gros... Des sortes de grenades pour tuer, etc. Les échouer, mais c'est tout. Wow, wow, pourquoi il penche à droite, là? On doit aller là-bas, je crois, non? On a pour un moment, hein. Allez, c'est parti. On est parti pour livrer. Colissimo, bonjour. On prend pas le camion, on prend la moto, du coup. Bon, c'est pareil. Mais il penche à droite, Sam, non? J'ai l'impression que la moto, elle penche. Après, ce n'est que mon humble... Horizon Zero Dawn? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que Horizon fait ici? What the fuck? Oh, appuyez sur carré pour un... Ok. Allez, c'est parti! Oh, c'est tellement mieux sur une route, hein? Franchement! On peut regarder où on va en même temps, bien... Une sorte de vue à la première personne! Ah non! Si tu restes appuyé, en gros. Ouh, tombe pas. On va suivre la route. On verra où ça nous mène, les amis. Je sais pas qui a fait cette route, mais en tout cas, waouh. Si elle était faite depuis le début, bah tant mieux. Si c'est quelqu'un qui l'a fait, je te mettrai des pouces bleus. Un peu loin quand même, hein. Et pourquoi ça s'envole? Ça, je comprends pas. Vous avez quitté le réseau d'alimentation. Oh. Zoom ou zoom? Ouais, d'accord. Zoom, je pense à flash. Moi. Boost. Ah, c'est là-bas, bien. Bon, on peut rester en boost. Ça ira plus vite. En mode autoroute, c'est vieux. Ouh. Attention. Eh, c'est stylé par ici en vrai, hein. En plus, c'est bien, il y a des gens qui mettent des trucs pour construire, je crois, et tout, c'est cool. En vrai, c'est cool. On tourne à droite, en mode carrefour. Oh. Ah, c'est plus loin, 20. C'est loin en vrai. On voit du pays. On voit du pays. Ah ouais, il y a des gens, ils mettent des boosts. Bien. Ouais, par contre là, on est un peu coincé, mon cher ami. Alors, on va mettre la carte. Faut qu'on longe. On va longer le fleuve. Sans la mettre à l'eau, ça serait vraiment l'idéal. Ou on reste en hauteur. Eh, hey, monte. On va faire du tout terrain. Ouais, ou pas. Motocross, c'est pas demain la veille. Oh là 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 là. Ah ouais, puis il y a l'eau. On essaye. Allez, on essaye. Non! Oh lolo lolo. Eh, hey, quand il y a des cailloux, c'est mort avec, hein. C'est chiant. C'est même très chiant. J'ai perdu déjà la moitié de ma batterie. Rien n'est impossible. On est déjà arrivé? Non. Non, c'est plus bas que ça, hein. Ah, mais on pourra la recharger, la moto. Il y a beaucoup de cailloux, hein.
Ah ah, la livraison, elle est pas contente. Après, si on fait le reste à pied, c'est pas grave. Hein. On aura déjà fait un gros bout quand même. Ah bah si, c'est là. On est déjà arrivé, genre. Oh, là-bas. On est arrivé. Mais déjà? J'étais là, ça a pris 2 secondes. Ouais, bien. Petite livraison du jour, bonjour. Faire une livraison. Et voilà. C'est vous le Sam Porter alors? On vous attendait. On nous a dit que vous nous aideriez aussi à tester le bot. Mais avant ça, voyons comment elle va. Joli comme un cœur. Rien à signaler. Ces bots ne sont pas conçus pour opérer hors de la zone couverte par le réseau. Alors commençons par connecter le centre de distrib. J'espère qu'ils allégeront un peu votre charge de travail. Contrairement aux porteurs humains, s'ils sont détruits, ça ne causera pas de néantisation. Avant que le Death Stranding ne se produise, les scientifiques craignaient l'apparition d'une singularité. La possibilité que quelqu'un crée une IA plus intelligente que l'homme. Mais, ce n'est jamais arrivé. Les machines ne provoquent pas de néantisation. Elles ne meurent pas. Par conséquent, elles n'ont pas de grève. Malgré tous les progrès qu'elles pourront faire, les machines ne comprendront jamais la mort comme nous. Et c'est pour cette raison-là qu'elles ne nous surpasseront jamais vraiment. Accédez au terminal de livraison. Je vais vous expliquer comment les utiliser. Et ne vous en faites pas, je garderai un œil sur ce qui se passe d'ici. Ces bots de livraison autonome ont été conçus pour traiter certaines commandes à votre place. Les commandes les plus rudimentaires uniquement. Regardez ce qui est disponible. Les marchandises transportées par bot risquent d'être un peu malmenées si la route est en mauvais état. A l'inverse, un bot qui circule sur une route bien entretenue a plus de chances de livrer des marchandises en bon état. Et bien plus rapidement, vous vous en doutez. Pensez-y quand vous les mettrez au travail. Oh bien, donc on peut mettre des bots au travail, mais il faudra faire la route. Intéressant. Et donc le bot il va venir en mode coucou, j'ai une livraison, non? Pour le moment, il n'en existe qu'un seul exemplaire, mais si le test est concluant, on lancera la production de masse.
De cette façon, vous pourrez les affréter vous-même. Ah, j'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans ma bouche. On a réussi à assembler un autre bot de livraison pour le tester sur le terrain. À vous de choisir comment l'utiliser. Désolée, le bébé fait encore des siennes. Merci, Sam. On se reparle plus tard. Très bon boulot, Sam. Ces bots de livraison autonomes, c'est une sacrée aubaine pour tout le monde. Des habitants des villes et des stations aux prépeurs qui vivent au milieu de nulle part. Mais vous devez être à bout de force. Pourquoi ne pas faire une pause? Je suis sûr que ça ferait du bien à votre bébé aussi. La chambre privée vous attend. Allez-y. Nous apprécions beaucoup. Désolée, je voulais pas vous surprendre. Vous dormiez quand je suis arrivée. Merci pour la douche. Y a pas de quoi. Écoutez, il faut que je vous demande. Il y a pas mal de rumeurs à votre sujet. Elle est de mèche avec X. Méfiez-vous d'elle. C'est juste une gourde de plus à cette fée à voir par Higgs. Une véritable héroïne, cette femme. Dites-moi, Sam, qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique pour vous? Si on se fie à ce qu'en disait mon père, c'était plus qu'une nation. Le mortier qui assemblait tout le reste. Elle incarnait l'espoir et des valeurs comme la liberté. Il fallait qu'on lui redonne vie en continuant à relier ses habitants grâce à nos livraisons. Il en était sûr. Sa mort m'a totalement dévastée. C'est là que Higgs en a profité. Ensemble, on peut transporter les colis d'un bout à l'autre du continent. À l'époque, il avait le monopole de tout l'Ouest. Un partenariat était censé nous rapporter à tous les deux. Au début, les affaires ont bien marché. Et puis, l'an dernier, quand ces fanatiques ont commencé à tout foutre en l'air, ils ont décidé de pirater notre système. Ils sont parvenus à s'emparer de nos passes de sécurité, ils s'en sont servis pour s'introduire dans les villes. Et en un rien de temps, on s'est retrouvés à livrer des armes et des bombes au lieu de médicaments, sans même que je le sache. On était des rouages dans une machine terroriste. C'est X qui avait monté le coup. Pour couronner le tout, il a mis la main sur une vieille bombe atomique. Et moi, je l'ai transportée en plein cœur de la ville relais médiane. Vous voulez dire que... Oui. C'était ma faute. Je l'ai fait sauter. J'aurais pu éviter ça si j'avais vu plus loin que le bout de mon nez. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher que la ville relais du Sud soit détruite. J'ai essayé de sortir la bombe de la ville. Mais Higgs avait un coup d'avance.
J'en ai payé le prix fort, et plus encore. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Quant au temps que j'avais devant moi, la pluie me l'a pris. Voilà, vous savez tout. Tout ce qu'on dit est vrai. À part, bien sûr, ce qui ne l'est pas. J'en ai vraiment rien à faire de Bridges, ou bien de l'intégrité de l'Amérique. Mais il n'est pas question que je laisse ce sale enfoiré de Higgs et ses terroristes chier sur l'héritage de mon père. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Alors, vous me faites confiance. Je serai là pour vous, Sam. Il vous suffira de m'appeler. Waouh, 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 il y a plein de mails, de machins, de wouh, wouh, wouh. Bon, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Il y aura une partie gameplay et une partie cinématique et bot, machin, et puis explication, etc., etc. Plutôt pas mal cet épisode, 1h20 d'enregistrement, ça fera beaucoup moins que ça, hein. Ça fera beaucoup moins que ça à l'heure où je vous parle. Bon, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Ça aidera concrètement la chaîne et on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde et puis partez au bien. So serious.